La tête, quel genre de bois? Bois de nuit. Hein? Il y a tout le bois pour taper sa tête. Ça nuit. Vrai, vrai, ouais, sans sorcellerie. Ouais, pas pour expliquer, hein? Quand tu dis bois, il faut expliquer. Et puis, t'as fait quoi? Il y a tout le bois pour taper. Tu l'as mangé? Il l'a mangé. Hein? Tu l'as transformé en quoi? Madame, on a défini, on a commencé, non, on a défini. Je vois si tu es sincère. Moi, je reviens, c'est mon problème avec vous. Vous dites, pourquoi je reviens si même chose, c'est comme ça, je suis. Allons-y. Comme je l'ai prié, quand j'ai prié la bouche. Non, tu l'as transformé en quoi pour manger? J'ai transformé comme poisson. Fais-moi toujours. Sorcier connaît poisson. Non. Sorcier ne transforme jamais un être en poisson. Ça, c'est vos règles. Vous ne transformez jamais en poisson. Ça, je connais ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Je fais comme. Et donc, tu es en train de jouer. Mais tu joues, moi. Non. Mais c'est quoi? J'ai fini vos. Le montant 100 en novembre. Je vous donner tout, comment ils travaillent, leur mode d'emploi, comment ils travaillent. Je vous ai jamais dit, tiens, je sais que je suis sûr, mais jamais travaillé avec quelqu'un poisson. Ça, c'est faux. Quand il y avait, jamais vous allez faire quelqu'un poisson. Jamais. Oui, allons-y. Écureuil. Tu as mangé quelle sauce? Arachide. Arachide. Pour tout, mais agité. Pour tout. Banane. Comment c'est manioc? Banane. Ok, allons-y. Oui, j'ai mangé. Oui, et c'est, t'as bien mangé, oui. T'as tué ta grande soeur. Comment elle s'appelle? Ya. Comment t'as fait pour tuer Ya? Elle était un peu fort. Parle fort. Donc tu parles français, c'est bon, hein? Parle fort. Et non, celui qui parle là, c'est français. Allons. Parle quoi, parle bien. Elle était dans notre village. Oui. Puis moi aussi, je suis dans notre village. Oui. C'est là-bas que je suis allée. Oui. Taper. Oui. Puis tu as mangé. J'ai mangé. Comment tu es arrivé dans le village? Tu fais comment pour partir? Je fais comme le vent. Le vent, hein? Tu fais comment? Quand je partais là, hein? Je prends le vent pour partir. Donc tu disparais? Tu vas là-bas. Le vent que je vends. Ouais, tu prends le vent. Tu rentres, tu vois le système du vent qui t'en va. Oui, papa. Oui, puis tu as fait quoi encore? Et quand je suis parti la trouver. Hein? Et puis je l'ai dit venir ici. Tu as parlé. Ou dit je suis venu prendre ton âme. Et puis l'âme est venue. Oui. Tu es allé manger. Oui, tu as pris, tu as transformé quoi? Tu as transformé en quoi? En cabri. En cabri. Où tu as mangé? Tu as fait quoi encore? Tu as fait quoi encore? Mon grand frère. Il travaille à Sotra. Parle fort. Mon grand frère. Ouais. Il travaille à Sotra. Il travaille à Sotra, ton grand frère, oui? Oui. Quand il vient parle fort dans le micro. Quand il vient prendre son argent. Oui. Hein? Pas de fort dans le micro. Moi aussi, je viens prendre pour moi. Hein? Quand il va prendre la banque son argent. Quand il va prendre à la banque son argent. Tu as fait une demande, madame? Oui, oui, oui. Ah, hein? Donc réponds-moi. Quand il va à la banque prendre son argent, oui, papa. Toi, tu vas te servir. Oui, papa. Vous travaillez pour toi. C'est-à-dire quand il prend l'argent, ben, toi tu viens, tu te sers. Oui, mais oh. pas aussi, je m'enlève ma chose. Mais faut travailler. Tu ne donnes pas comment? Tu es obligé de te donner. Faut aller travailler. Va te donner pourquoi? Ben, quand on gagne l'argent comme ça, tu n'as qu'à te donner. Pourquoi? Tu ne peux pas aller travailler. L'argent là, c'est quand on travaille comme toi. Quand il s'en va, il voit que non, son salaire, la moitié la suit. Ils ont tout gâté. C'est toi qui fais ça? C'est toi? Oui, papa. Oui, papa. Et tu fais quoi encore? Elle est dans les champs. Hein?
les choses qu'on fait dans les champs. Quelle chose? Pas dans les micro-ondes. Quand on plante les choses dans le champ. Quand on plante les choses dans le champ. Oui. Toi, tu gâtes. Il mange ça. C'est un rap à mis. Non, rap à mis, c'est un rap à mis, c'est un rap à mis. Ok, et tu fais quoi encore? Et puis j'enlève les choses qui sont dans le champ. Ça fait quoi? Les choses qui sont dans le champ. J'enlève et puis je mange. Tu manges, tu gâtes. Tu fais quoi encore? Tu fais quoi encore? Et puis je fais encore. La butte que j'ai fait, j'enlève l'igname qui est dedans. J'enlève l'igname. Donc quand il y a la famille là, c'est toi qui fais ça. Allons-y. Ce que tu as fait, c'est que tu fais. Pourquoi nous combattons la sorcellerie? Bon, j'ai tué l'enfant de mon grand frère. Oui, de ton grand frère. Comment il s'appelle? Kanga. T'as tué Kanga? Oui, allons-y encore. Mon fils. Oui. Et puis l'enfant de mon fils. Et puis moi, avec mon fils. Et j'ai tué l'enfant de ma grand-sœur. Tu as fait quoi encore? Et puis j'ai tué l'enfant de ma grand-sœur. De mon oncle. De ton oncle, oui. Et tu as fait quoi encore? J'ai tué l'enfant de ma nièce. Oui, de ta nièce, oui. Et puis j'ai tué l'enfant de ma grande-sœur, son enfant. Oui. Oui. Donc, si c'était une qu'est-ce que tu as fait? À part tuer, gâter, tout ça? Tout ça, j'ai gâté. J'ai gâté. Hein? Comme j'ai gâté. Hein? Et puis, papa m'a pas gâté. C'est tout ce que j'ai fait. Il te demande, c'est tout. Tu vois, comme tu veux pas tout dire. Et à Amérique, où tu t'en vas là-bas? Et puis, ma vie qui était à États-Unis. Hein? Ma vie qui était à États-Unis. États-Unis, oui. Avion pour partir là-bas. Vous avez compris? Vous dites non, je suis à Benj. Ils ont un avion pour vous trouver là-bas. C'est pas pour aller tuer, mais je suis allé prendre l'argent. Mais c'est pas tuer l'homme. L'homme qui prend l'avion pour aller prendre l'argent aux États-Unis. Hein? Quand tu arrives là-bas, tu prends son argent. Tu fais comment? Quand j'arrive là-bas, c'est que tu peux. Elle t'a donné ça. Elle m'a pas entendu. C'est vol. Je vole. On dit je prends son argent. Oui, je prends. Ou bien, on dit les choses par l'air. Tu voles. Tu prends pas, c'est pas pour toi d'avoir demandé. Tu voles son argent, tu reviens. Or, quand la sorcellerie fait ça, c'est qui t'a prouvé. Tu es là, du coup, ton argent, ça ne te profite plus. Tu deviens bizarre, tes patrons. Ton argent est bizarre, bizarre et bizarre. Parce que le sorcier, c'est sait. Tu es mauvaise, hein? Où est l'avion? Et ton podium rouge? Et puis quand je prends mon podium là, pour faire. Hein? Je prends mon podium là, et puis je le mets. Tu fais quoi? Mon podium là, je prends. Ton podium là, tu prends, oui? Et puis tu remues.
fais quoi ça? Quand tu fais comme ça, oui. Parle dans le micro. Quand j'ai remis ça. Tu remis ça comment? J'ai remis ça. Hein, le congé rouge. Congé rouge. Hein? Quand j'ai remis ça. Hein? Oui. Tu tues les gens. Tu voyages. Maintenant tu fais deux quoi? Où est l'avion là? Où est le congé rouge? Où est le congé rouge là? Oui, ok, on t'est délivré, mais congé rouge là, c'est où? Hein? Tu n'as pas envoyé? Ah, je t'ai dit, je te pose ma question, réponds-moi d'abord. Où est l'avion? Je ne sais pas encore. Hein? Oh, réponds à ma question. Réponds à ma question. Ça est où? Ça est au village. Qui pilote ça? Qui conduit ça? C'est moi-même. Et toi-même? Oui. Et oh, elle ne sait pas rouler le vélo. Tu sais pas rouler le vélo? Je sais rouler. Un vélo? Un peu, qui sait? Une voiture. Ah. Pas. Oui. Pour rouler l'avion, là, il faut un bac. C'est G, non? Un bac G. Toi, tu connais bien. Tu fais combien de minutes pour arriver aux États-Unis? 30 minutes. Oui. Oui. 30 minutes. Et monsieur. Tu fais combien de minutes? 30 minutes. C'est rapide, hein? Ton avion est terrible. Ça fait. Hein? Mais ils sont en train de tenir. Je t'écoute là même, je suis en train de tenir. C'est plus que fusée. Oh, toi, on te regarde comme ça. Là. On pense que tu n'as pas la. Oh, tu as avion. On appelle ça jet privé. Toi, tu as ça. Hein? Donc vous savez des choses et puis c'est vous gâter. Oh, tu veux que le monsieur qui a sauté dans l'argent, pourtant tu as la guette. La guette là, c'est les raisons on met dedans. C'est 30 minutes. Pourquoi vous les sortez? Vous n'arrangez pas les choses. Madame, je te demande. Pourquoi vous n'arrangez pas les choses? Vous gâtez. Le micro. Quand on fait hein? Quand tu vas prendre l'avion, tu ne sais pas où c'est l'avion. Tu ne sais pas. Non, s'il te plaît. Quand tu vois l'avion, tu ne sais pas où c'est l'avion. Ok. Quand tu montes dedans, là, tu ne sais pas où tu vas faire. Tu t'en vas avec ça. Quand tu t'en vas là, c'est pourquoi qu'on va là-bas. Pourquoi me distraire? Tu sais. Il prend l'avion, ton destination, États-Unis, 30 minutes. Tu règles ton problème, puis tu reviens. Et tu es content la nuit, matin, tu souris à tout le monde. Or, la nuit, tu as travaillé, Soubara. Tu as tout gâté la nuit. On avait dans les Soubara. Pendant que nous on dort, vous roulez l'avion. C'est faux, tu sais qu'on est l'avion. Hmm? Et puis tu prends l'argent. Tu as quoi de voler l'argent? Tu prends l'avion, tu voles. C'est ce qu'on appelle la délinquance spirituelle. C'est une délinquance. Maintenant, il n'a qu'à faire comment? Il n'a qu'à faire comment? Libérer comment? Voici le micro qui est devant toi. Il n'a qu'à me libérer. Libérer comment? Hein? Tu manges là, j'ai pas d'eau. Mets le micro. Je ne sais pas encore. Attends, je ne sais pas encore. Libéré. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Come on!
explique. Elle a parlé, ok. Mais elle a un démon en elle, c'est ce qu'elle, c'est un esprit, n'est-ce pas? Si elle fait des aveux, qu'elle parle, qu'on ne chasse pas le démon, elle est toujours sorcière. C'est pour ça que vous allez attraper un sorcier, mais dans le village, il va faire des aveux. C'est ce qu'on appelle confession des aveux. Mais si le démon n'est pas parti, il recommence à sorcier. C'est un esprit. Or, si elle a parlé, il faut que je sois dans la mesure de chasser le démon. Donc, le démon en train de se manifester, c'est le pouvoir de Dieu contre le pouvoir de Satan. Donc, le démon se manifeste. Il faut qu'il parte de son corps. Et quand c'est comme ça, elle retourne son esprit. Or, si un sorcier parle, il a parlé, qu'on ne le délivre pas comme ça, les esprits ne se manifestent pas comme ça, pour partir, il est toujours sorcier. Amen. Or, quand vous les écoutez parler, les esprits là sont plus forts, ça dit. C'est plus fort que eux. Sors. Il doit quitter son corps. N'ayez pas peur, aucun démon ne peut rentrer dans votre corps. Quitte son corps. Allez vous asseoir. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Lâche-la. 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 Oui, lâche-la. Lâche-la. C'est les esprits qui se manifestent, qui sont en elle. Et si les esprits ne sont pas partis, elles demeurent. Pour ça, il faut être capable de chasser les démons. Mais ce n'est pas n'importe qui chasse les démons, la sorcellerie ne l'obéisse pas comme ça aux gens. Tu vas partir. Allez. La puissance. Si vous écoutez un sorcier parler, et qui n'est pas opprimé, les démons ne sont pas chassés. Il est toujours sorcier. Oui, non, l'esprit est en train de faire un combat. L'esprit possède son corps. Et l'esprit ne veut pas partir. Et c'est un combat. Il va quitter son cœur. Va-t'en. 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 Voilà, sort. Il sort. Sort. Et libère-la. Dans le nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Or, quand le démon sort, elle n'aura plus l'envie de manger un être humain. Quand elle va te regarder, elle va te voir comme Zadi. Elle ne va pas te voir comme Cabri. Or, quand tu marches devant elle, elle voit Cabri, les porcs, les pintards, les Cabri, les porcs, les bœufs qu'on doit manger. Ils ont une autre manière de voir les hommes. Parce que tu as mis les moyens poulets là. C'est poulet de qui? Maman, ça va? Comment ton maman s'appelle? Il s'appelle Tiedor, ok. Vous habitez où? Contact avec Tiedor pour dire Tiedor. Poulet quand on est passé, il veut manger ça aussi. Voilà, parce que c'est le cœur est ça. Le cœur est possédé de ça. L'envie de détruire, l'envie de nuire. Par moi, ce n'est pas d'eux. Mais ils ont cette force. Ils ont l'envie de détruire parce que c'est un démon qui les anime. C'est pour ça que par moi, on cherche à comprendre. On cherche à les écouter. Ils ont fait de comprendre. Et puis, on les aide. Or, si tu n'arrives pas à ce stade-là, tu as dû les exorciser. Il faut les comprendre pour dire, ce n'est même pas eux, ils sont animés par un mauvais esprit. Il faut les débarrasser de ce démon. Depuis que nous sommes dans cette région, les gens ont arrêté de tuer les sorciers. Ils ont atteint 11. Ils font danser un cercueil, ils font te poigner ça. Les sorciers, ok, on t'enterre, on demande qu'on met le cercueil chez toi. Tu n'accompagnes pas le corps. Or, souvent, tu n'es même pas sorcier. Parce que les sorciers, ils peuvent même mettre
leur habit là sur toi. Et même peut téléguider le sorcier sur toi. Ils font ça ici, les sorciers. Oui, lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. C'est le combat que nous menons. Il faudrait qu'on vous laisse en paix. Qu'on vous laisse en paix vivre votre vie. Amen. Vous devez vivre votre vie. Amen. Pour rien, pour rien. Tu vas demander que c'est pour rien. Pour rien, tu vas aux États-Unis en 30 minutes, pour rien. Pourquoi? Voler l'argent des gens. Voler l'argent des gens. Pour rien, tu as envie de manger, tu gâtes. Oui, ah, ah. C'est de là que t'intéresse. Lâche-la au nom de Jésus. Sors-les. Libère ce corps au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas et maintenant tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Maintenant, la puissance de Jésus te déloge. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâche-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Voilà, va-t'en. 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 Viens ici. Viens ici. La clé. Lâche sa vie. Et c'est un ordre. Lâche totalement sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de la vie. Voilà, quitte. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Lâche-la. Va. N'aie pas peur. Thank you.
puissance de Jésus te touche. Maintenant même. La puissance de Dieu te touche. Maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir dans ce corps. Je détruis ton pouvoir. Et maintenant même. La puissance de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Lâche-la. Fais sur toi. Ne fais consume tes œuvres. Ne fais consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la, sa vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère ce corps et maintenant même par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche. Ça va? Tu as senti quoi? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tout sort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La poitrine, il y a quelque chose qui est sorti de la poitrine? Ici. Oui. Jusqu'à ici. Oui. C'est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est le bien qu'on peut faire à l'être humain, le débarrasser d'un démon de la société. Oui. Amen. Au lieu de faire son procès, de la tuer, il est préférable de la débarrasser de cet esprit. Est-ce qu'ils sont en train de faire? Amen. Qu'elle-même puisse être tranquille dans sa tête. Parce que l'esprit l'a poussé à faire des conneries. Amen. Maintenant, la colère est avion. Hein? Papa, hein? Vous laissez le conduit rouge. Hein? C'est fini. Je dis ça se finit à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Tu es sûr? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini. Tu ne veux plus aller prendre l'argent de ton frère, tu es sautera. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. C'est un signal très fort. Il faut détruire le royaume de Satan. Elle était au service de Satan. Pour détruire la vie des êtres humains, elle était au service de Satan. Il faut l'arracher à Satan. Il faut l'envoyer dans le camp de Dieu. C'est ça l'amour. Il faut manier. Dieu est bon. C'est la bonté de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu est capable de te faire sortir, de t'aimer encore. On dit non, elle a tué, non. Amen. Oui, il faut. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Oui, c'est pas facile, mais c'est l'amour. Amen. Donc, comme Jésus a dit à la croix, pardonne-leur. C'est pas facile de pardonner. Amen. C'est un amour. C'est la bonté de Dieu. Chacun d'entre nous a fait des conneries, mais Dieu pardonne. Amen. Allez chercher Marie déjà dans ses péchés. Amen. Allez chercher femme des gens là, c'est péché. Ça fait trop mal aussi, chercher femme des gens. Or, toi, tu es un expert dedans. Tu as eu doctorat en chercher femme des gens. Amen. Amen. Tu l'accuses, peut-être elle est sorcière. Or, quand j'ai envoyé une dame, on l'a pris en flagrant délit. Or, quand on fait adultère, ça avait une autre personne, et le monsieur est où? On l'envoie seul, devant Jésus. J'ai dit, c'est lui qui n'a jamais péché là, hein? Il n'a qu'à la lapider. Toute la foule a disparu. Et chacun dit, ah! Il m'a eu, hein? Mais moi, il est fini, et cherché pas mes gens. Mais moi, on n'attrape pas. Amen. Amen. Vous voyez, amen. Il ne faut pas souvent faire le procès des gens, il faut les aider. Et c'est ça l'amour. Ce n'est pas facile. Mais il faut aider les gens, il faut les aider. C'est ça. La capacité d'aimer et d'aider une personne. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. 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 Nous aidons ici les gens.
nous faisons tout pour les intégrer dans les familles, parce que ce n'est pas facile aussi d'entendre que telle personne a tué une personne. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Si vous avez quelqu'un qui est sorti, envoyez-moi le délivrer. Oh, les gens font des maltraitances dans les villages, leur frère est sorti, on le maltraite. On ne lui donne pas à manger, on veut le tuer. Mais en le tuant, tu es en train de commettre un crime toi-même. Amen. C'est un crime. Il n'y a pas deux façons de crime. Non, tu te venges, ok, mais c'est un crime. Tu es en train de tuer. Alléluia. Amen. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Mamie, ça va? Et les yeux vers ses francs. Hein? Tu vas ramener? Hein? Oui, papa. Et les 25, on fait comment ça? Et les 25 francs de la personne? Je vais rembourser ça. Tu as remboursé ça? Tu peux rembourser? Je vais la pardonner, mais c'est pas encore. Ah, hein, mais son âge? Non, papa. Comment non? Je sais pas encore. Oui, ok, mais tu as pris ma marchandise, hein? Je t'ai vendu, tu as eu mon argent. Si je vais donner là, tu donnes pour moi, il va pour toi. C'est moi qui t'ai pardonné. C'est moi qui t'ai vendu les yeux. Non, elle m'a bien saisi. J'ai dit, tu allais vendre, non? C'est pas mieux, 25. Pardon, diminuer, non, il diminue pas. Parce que je vois, on diminue pas. C'est, non, et cela, il ne faut pas croire comme chez nous. Tu rentres, tu dis diminuer. Ben, nous, on aime bien ça, nous, les Africains. Tu as vu? On dit c'est tant tu dis, hé monsieur, dans ma magasin, tu cherches à diminuer. Oh, tu as payé. Tu as vendu ça, non? Et son argent. Voilà. Et son argent.